Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au jeudi de l'audiologie sous l'égide de la SFORL. Je vais avant toute chose laisser la parole au secrétaire de la SFORL, le professeur Vincent Coulbagnier. Bien, merci Monsieur Croze. Donc je serai très bref, hein, mais c'était, je tenais à remercier vraiment chaleureusement au nom de la Société française d'ORL, la Société Audica pour l'organisation de ces jeudis de l'audition qui sont vraiment de très belles manifestations. C'est déjà la 6e édition. Ils ont pour l'instant eu un très beau succès et je suis sûr que la manifestation de ce soir sera dans la droite lignée des précédentes. En tout cas, je tenais encore, comme je vous le disais, à dire à quel point nous sommes heureux de ce partenariat que nous espérons pérenniser. Voilà, donc je vous laisse la parole, Monsieur Croze, pour la suite. Merci. Alors, nous avions parlé lors de notre dernier webinaire des nouvelles règles de prescription. On va en parler un tout petit peu ce soir parce que ça va être associé à notre sujet qui va toucher essentiellement la pédiatrie. Et qui dit pédiatrie dit aussi équipe interdisciplinaire. Donc, je vais d'abord vous présenter les orateurs de ce soir qui vont vous parler du trouble du traitement auditif. Alors, le docteur Isabelle Rouillon, ORL à l'hôpital Necker. Madame Théodora de Bollardière, orthophoniste à l'hôpital Necker et en libéral à Boulogne-Billancourt. Le docteur Isabelle Kérurien, ORL libéral à Paris. Et Cyril Couder, audioprothésiste, directeur scientifique chez Audica. Donc, ce soir, trouble du traitement auditif. Avant toute chose, on va commencer par un sondage pour avoir un petit peu votre avis sur ce qu'est le trouble du traitement auditif. Donc, vous allez avoir apparaître un sondage. Je vais vous poser les questions suivantes. Le trouble du traitement auditif sont un symptôme des TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, 2, une pathologie propre, 3, souvent associé à un retard psychomoteur. Voilà, je lance le sondage, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Une réponse qui prend fortement la tête par rapport aux autres. Encore quelques secondes. Voilà, les résultats sont stabilisés. On va arrêter le sondage. Donc, la réponse qui arrive en tête, parce que je n'ai pas là les chiffres exacts, mais la réponse qui arrive en tête, c'est une pathologie propre. Je vais laisser le docteur Isabelle Rouillon nous répondre un petit peu sur ce qu'est les troubles du traitement auditif. Bonjour à tous, merci vraiment de votre invitation. Donc le trouble du traitement auditif correspond à un traitement atypique de l'information auditive le long des voies auditives centrales. Ce trouble pourrait toucher 0,2 à 0,5% de la population pédiatrique. Il est lié au déficit d'un ou de plusieurs processus auditifs centrales et donc va être responsable de difficultés pour la discrimination phonémique, pour le traitement binaural et le traitement temporel de l'information auditive. L'origine du TDA est aujourd'hui encore extrêmement controversée. En gros, deux grandes écoles s'affrontent. L'école nord-américaine qui pense qu'il s'agit avant tout d'un défaut dans la capacité à analyser le message acoustique par les voies auditives et qui dépend des caractéristiques du signal acoustique, ce qu'on appelle la voie bottom-up. Et puis l'école anglaise qui estime qu'avant tout, il s'agit surtout d'un déficit cognitif ou de mémorisation ou des difficultés d'attention et que toutes ces difficultés vont impacter la façon dont le message auditif est analysé par le cerveau. Donc,
probablement que l'origine est plutôt mixte. Néanmoins, quelle que soit son origine, le diagnostic du trouble du traitement auditif reste difficile. D'une part parce que la clinique est polymorphe, les enfants vont pouvoir présenter des difficultés de compréhension de la parole en conditions d'écoute bruyante, en conditions d'écoute compétitive lorsqu'il y a plusieurs locuteurs. Ils vont être en difficulté pour différencier les sons proches, pour interpréter, pour mémoriser des messages vocaux. Classiquement, ils sont plus gênés pour retenir une chanson que retenir une poésie avec support visuel. Ils sont en difficulté s'il faut comprendre des consignes orales complexes, rapides. Ils sont aussi en difficulté pour apprendre les langues étrangères, et notamment si le support audio est de mauvaise qualité. La musique peut être aussi compliquée, et du fait de ces difficultés, ce sont des enfants qui sont extrêmement fatigables et distractibles. Vous voyez aussi que ces difficultés peuvent faire partie d'une autre pathologie. Et on voit aussi que certains enfants vont pouvoir présenter plusieurs comorbidités à la fois, au premier rang desquels les troubles de l'attention, mais aussi certains troubles spécifiques des apprentissages, tels que les troubles spécifiques du langage, mais aussi des difficultés de communication. Avant de s'orienter vers un bilan ou de suspecter un trouble du traitement auditif, il faut avant tout s'assurer de la normalité de l'audition périphérique par une audiométrie tonale et vocale normale des deux côtés, s'assurer aussi de l'absence de neuropathie par l'enregistrement de PEA ou du tronc cérébral. Les bilans type TTA sont réservés aux enfants de plus de 7 ans parce qu'auparavant, une partie des tests n'est pas normée et on est par ailleurs extrêmement gêné par les difficultés attentionnelles qui sont trop importantes avant l'âge de 7 ans et qui vont impacter l'analyse de nos tests. Enfin, il faut aussi être vigilant à ce que l'enfant n'ait pas un trouble cognitif trop important. On tolère un QI à partir de 80 et l'enfant peut présenter un trouble de l'attention, mais celui-ci doit être traité. Lorsqu'un enfant est suspect de TTA, le bilan que nous proposons comporte une évaluation orthophonique ciblée qui découle en grande partie de la batterie d'audition centrale de M. de Manez. Nous y avons associé une évaluation psychologique et psychométrique de façon justement à repérer ces comorbidités associées et à bien faire le bilan de la pathologie et savoir comment interpréter notre bilan orthophonique. Et enfin, une imagerie cérébrale. Donc le bilan orthophonique s'articule autour de 4 principaux tests. Une évaluation de la perception dans le bruit. Nous la faisons avec des listes de mots adaptées en fonction de l'âge de l'enfant. Borsma avant 8 ans, dissyllabique de Fournier après 8 ans, avec un rapport signal sur bruit à plus 5 et 0 dB. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de liste de mots normée en français sans accent belge ou québécois en liste pédiatrique. C'est d'ailleurs un travail de la SFA qui va être entrepris. Nous avons essayé d'utiliser le FRACIMAT, qui est le matrix simplifié en français, où l'enfant doit répéter des groupes de mots, donc un article, un nom, un chiffre, un nom, une couleur. La difficulté, c'est que c'est trop prédictible et nos enfants n'étaient pas du tout gênés sur ce test, alors que pour plus de la moitié d'entre eux, ils se plaignent en premier lieu d'une gêne dans le bruit. Le test dichotique, répétition de chiffres, de mots, de phonèmes, de façon libre ou dirigée, ce qui va nous permettre d'analyser la séparation et la fusion binaurale. Le test des patterns sur la fréquence et la durée, l'aptitude de l'enfant à pouvoir différencier deux fréquences proches ou deux sons de durée différentes. Et enfin, le RGDT pour Random Gap Detection Threshold, c'est l'aptitude à percevoir le plus petit espace de silence entre deux stimulations sonores, et ce qui témoigne de la qualité du traitement temporel du signal acoustique. Un diagnostic de trouble du traitement auditif va donc être porté si deux épreuves sont chutées à plus de deux écarts types ou si une épreuve est chutée à plus de trois écarts types en accord avec les recommandations internationales de la littérature. Voilà, donc dans le cadre de la prise en charge interdisciplinaire, on a eu la vue du médecin ORL. Maintenant, je vais laisser la parole à l'orthophoniste pour sa vue sur sa prise en charge. Voilà, alors bonjour à tous. Concernant la prise en soin du TTA, effectivement, elle va être de deux types.
Elle va permettre une amélioration des conditions d'écoute et donc grâce à un à tout un système HF avec plus ou moins de l'amplification, des conseils pour la modification de l'environnement sonore, donc une optimisation de cet environnement de communication et une rééducation orthophonique spécifique dont je vais vous détailler la prise en soin. Donc cette rééducation orthophonique, elle est de 45 minutes, elle s'inscrit dans notre nomenclature, donc elle concerne les enfants sourds. Lors des séances d'orthophonie, l'orthophoniste pourra proposer des entraînements auditifs intensifs, avec notamment de la perception dans le bruit, de la mémoire auditive, un travail de séparation binaurale et d'intégration binaurale sur le même type sur le même exemple qu'est des dicotiques, de l'épreuve des dicotiques. L'orthophoniste pourra ensuite proposer un entraînement cognitif, métacognitif et langagier. Cet entraînement cognitif, ça va être un travail de suppléance mentale, un travail autour de la phonologie, un travail d'attention auditive. Le but, ça va être d'enrichir les compétences langagières de l'enfant pour pouvoir suppléer à ce trouble. On va ensuite pouvoir proposer des stratégies de communication à l'enfant, à ses parents et des conseils également pour l'école. Donc les stratégies de communication, ça va être pour l'enfant de faire répéter, de faire reformuler, de faire des phrases plus courtes, de demander à l'interlocuteur de parler plus fort et enfin d'accompagner la prise en charge audioprothétique. Donc on vous parlera plus tard. Plus précisément concernant les conseils à donner à la maison, les conseils vont être de réduire le bruit, notamment la télévision et la radio quand l'enfant travaille, mais aussi quand on lui parle, la musique pendant les repas, respecter le tour de parole, ce qui n'est pas évident pour un enfant, mais qui est important pour un enfant avec TTA, se placer bien en face de l'enfant, pourquoi ? Pour que l'enfant puisse avoir accès à la lecture labiale, et articuler clairement sans exagérer. En classe, on demandera à l'enseignant de réduire le niveau de bruit, de diminuer le nombre de tâches et de directives données en même temps, c'est-à-dire d'éviter les doubles tâches. On privilégiera une place au premier rang pour réduire le bruit, mais également la distance et que l'enfant puisse avoir accès aussi à la lecture labiale. On demandera à l'enseignant d'ajouter, si nécessaire, des supports visuels, que ce soit de l'écrit, des pictogrammes. De réduire les déplacements durant les explications, parce que pour un enfant qui a un TTA, c'est compliqué de suivre les explications de quelqu'un qui bouge. Et de prévoir enfin des temps de repos, des temps de silence pour éviter cette fatigabilité en fin de journée. Différentes ressources existent sur Internet et ailleurs. Alors vous avez le PDF, le premier, la trousse d'intervention en salle de classe qui est disponible gratuitement, qui a été fait au Canada. Le deuxième, c'est un livre avec un site internet qui permet de redonner toutes les stratégies de communication qu'on peut donner à l'enfant. Et enfin, le dernier, c'est une brochure qui n'est disponible que pour les orthophonistes actuellement, une brochure donc pour les orthophonistes pour aider à l'intervention orthophonique. Voilà, merci. Avant de laisser la parole à Saint-Cyril pour la prise en charge audioprothétique, on va reposer un autre petit sondage. Je vais vous faire apparaître de suite. Voilà. Donc, le sondage suivant, c'est le trouble donc, du traitement auditif. Attendez, j'ai un petit souci au niveau. Alors, au niveau de l'appareillage, doit obtenir partiellement le complément. Non, je ne pense pas que j'ai le bon sondage. Attendez, on va en faire machine arrière. Ça, c'est. Si, c'est bon, je pense. Enfin, moi, je l'ai, là, qui s'appelle. Voilà. Alors, on va le remettre. Voilà, donc l'appareillage recommandé sur un TTA doit obtenir partiellement un complément du CAE afin de filtrer le bruit ambiant, doit être réalisé en oreille ouverte, n'est utilisé que pour associer un micro HF déporté.
Voilà. Le sondage est lancé. Donc là, on est sur une prise en charge audioprothétique avec un bilan tonal normal, un bilan vocal adapté dans le calme, adapté à l'enfant qui est quasi normal, par contre, avec des troubles dans le bruit. Et justement, on va chercher une stratégie d'appareillage pour essayer justement d'apporter un plus à cet enfant dans cette ambiance sonore complexe. Donc, dans les réponses, il y a deux choix là qui sont en train de se battre un petit peu en duel. Un autre qui est un petit peu délaissé. Encore quelques secondes. Voilà. Allez, un compte à rebours. 3, 2, 1. Le sondage est terminé. Donc, dans les trois réponses, la première réponse, c'est un appareillage avec une oreille partiellement fermée pour filtrer le bruit ambiant. C'est celle qui a été le plus plébiscitée. La deuxième n'est utilisée que pour associer un micro HF ou un micro déporté. Et celle qui recueille le moins de réponses, c'est doit être réalisé un appareillage en oreille ouverte. Cyril, ton avis de professionnel ? Alors sur la prise en charge prothétique, bon, on va rappeler rapidement les objectifs qui ne surprendront pas les audioprothésistes de la salle. Notre objectif, bien sûr, pour ces enfants, ça va être une amélioration du rapport signal-bruit global en diminuant l'impact du bruit environnant et de la réverbération. On a plein d'études qui réfèrent ça sur les troubles du traitement auditif. Qu'est-ce qu'on a comme outil ? Ben, on a un outil d'amplification avec nos appareils, avec bien sûr un gain qui doit être très modéré parce qu'on ne va pas oublier qu'on s'adresse à des enfants avec une audition périphérique qui est normale. Et on a ces fameux microphones déportés et on a la chance d'avoir une étude récente qui rapporte des résultats avec. Donc effectivement, les questions sont celles qu'on vient de vous poser dans le sondage. Quel type d'amplification, sachant qu'on s'adresse à des auditions normales ou subnormales? Est-ce qu'au niveau de nos microphones, on va, comme on le fait souvent pour l'enfant, mettre des micros omnidirectionnels pour leur donner un paysage sonore le plus complet? Ou est-ce qu'on va travailler sur cette réduction de bruit pour aller focaliser en directionnel? Est-ce qu'on se laisse en oreille ouverte pour que l'appareillage soit le plus neutre possible et que leur audition naturelle passe par la voie naturelle, ou au contraire, est-ce qu'on va fermer un petit peu plus pour bloquer le bruit et faire confiance au réducteur de bruit de nos appareils? Et est-ce qu'on va travailler avec des microphones? Et dans ces cas-là, est-ce qu'on va systématiquement sur des micros HF pour la qualité qu'on leur connaît? Ou est-ce que les microphones Bluetooth actuels peuvent nous rendre service? On va voir ça sur la diapositive suivante. Vincent, s'il te plaît. Donc, déjà, première règle absolue, bien sûr, mais ça, je pense que vous en avez été convaincu par la présentation du docteur Rouillon, aucun appareillage ne doit être proposé sur une audition périphérique normale avant que l'enfant n'ait été bilanté par une équipe spécialisée. Ce sont des enfants qui ont une audition, on en voit des enfants avec des auditions normales et de temps en temps des difficultés, c'est pas pour ça qu'ils ont un trouble du traitement auditif. Donc d'abord le diagnostic, et on n'ira pas proposer un appareillage à ces enfants-là sans bien sûr un bilan complet. Donc il faudra une audiométrie tonale et vocale refaite au laboratoire pour confirmer cette absence d'atteinte périphérique. On la répétera au fil des rendez-vous parce que on a de temps en temps des problèmes de fiabilité au début, voire de temps en temps des petites simulations qui peuvent se produire. Et on refera des seuils d'inconfort qui sont souvent anormalement bas, voire de temps en temps qui frôlent des seuils d'inconfort d'hyperacousie, alors que ce ne sont pas pour moi des enfants hyperacousiques. On a des outils tirés, on vous l'a dit, donc du bilan de Demanez en Belgique, qui sont les outils du BAC, du bilan auditif central. L'audiométrie vocale dans le bruit doit rester notre outil principal, mais on n'a toujours pas de normes par tranche d'âge. Moi, j'utilise beaucoup le Framatrix quand ils sont un petit peu plus grands, ou le VRB, mais sur les plus jeunes, pour ceux qui ont déjà utilisé le Framatrix notamment, c'est un outil qui est fatigant, qui est long et qui est vraiment, vraiment pas évident. On peut refaire le test dicotique, mais il est généralement fait dans les premiers bilans. Et puis, ne pas oublier qu'on est sur des enfants qui sont très fatigables, avec une concentration qui est sur une durée limitée, et que le temps de passation des tests doit rester limité, se faire sur plusieurs jours, sur plusieurs séances, et pas forcément sur une seule. Alors, pour répondre à la question du sondage, diapositive suivante, Vincent, s'il te plaît. La stratégie d'amplification, elle a été étudiée, elle est référencée. On va rester sur un gain très léger. On restera sur des amplifications, mais on va quand même amplifier en première intention.
à moins de 10 décibels sur les sons faibles, sur les voix faibles, à 4, entre 4 et 6 décibels sur la zone conversationnelle. Et bien sûr, on s'assurera qu'il n'y ait aucune amplification après 70 décibels pour ne pas nuire et pour ne pas créer de symptômes un petit peu déroutants. On vérifiera ça souvent en mesure in vivo. Et on gardera, la recommandation est de garder tous les MPO en dessous de 100 décibels. En ce qui concerne la directionnalité et nos réducteurs de bruit, on sait qu'on a des appareils aujourd'hui avec des réducteurs de bruit qui sont de plus en plus performants. Et on sait également que la qualité de ces réducteurs de bruit va dépendre si on travaille en oreille ouverte ou occluse. En ce qui concerne la directionnalité, les études favorables au micro-directionnel sont très anciennes et je pense aujourd'hui qu'on a des avantages à rester soit sur une mesure omni, sur le programme de base, soit même sur une directionnalité adaptative exceptionnellement, même si ce n'est pas très utilisé habituellement chez l'enfant. Les réducteurs de bruit ont été démontrés utiles et bénéfiques, aussi bien en oreille ouverte qu'occluse, par deux études. Alors naturellement, plus on va fermer l'oreille, plus on sera efficace sur nos réducteurs de bruit. Donc la grande question, moi, que je me pose à chaque fois que j'ai un enfant TTA, à chaque fois c'est un peu prétentieux, j'en ai pas des dizaines non plus, on démarre. L'oreille ouverte, c'est la solution la plus logique, mais encore une fois, pas d'études récentes, mais sur notamment le jeune ado ou l'adolescent, le fait de pouvoir travailler avec un dôme ouvert, on a un impact à la fois psychologique et un impact de confort de l'appareil qui est meilleur. Et on a une efficacité, réellement. Par contre, si l'enfant ou l'adolescent a vraiment des très gros problèmes, non pas seulement de perception du bruit, mais de tolérance, ce que j'appelais tout à l'heure cette limite d'hyperacousie, mais quand on discute avec eux, qui est presque à la limite de la misophonie, c'est-à-dire que c'est un rejet psychologique du bruit par moment, vraiment un... Ils n'ont pas envie d'être dans le bruit, ils ont développé une sorte de peur du bruit, hein, ce qui n'est pas vraiment une hyperacousie. Et donc, dans ces cas-là, j'aurais tendance à mettre un embout classique en fermant un petit peu plus derrière. Les microphones déportés, très dépendants des classes dans lesquelles ils sont, plus tôt on va les mettre, je pense, mieux c'est. On a une efficacité qui est quasi systématique et on a une efficacité avec les nouveaux microphones Bluetooth qu'on a. On n'est pas sur la même qualité que nos micros HF, mais on a un impact financier qui est bien moins important. Et en attendant d'avoir les prises en charge MDPH, qui peuvent prendre assez longtemps pour la prise en charge de nos systèmes HF non remboursés par les pouvoirs publics, ben, un micro Bluetooth permet d'avoir une solution utile et rapide. Derrière, rappelons que ça coûte une centaine d'euros pour la famille, c'est tout à fait abordable. Derrière. Donc voilà un petit peu le cadre de cet appareillage qui est très particulier et qui doit garder toujours le même cadre en termes d'amplification, mais en termes d'un enfant à l'autre et surtout d'un âge, d'une tranche d'âge à l'autre, on a des vraies variations interindividuelles qu'on verra dans les études de cas un petit peu plus tard. Donc, maintenant au niveau administratif, est-ce qu'il y a des démarches spécifiques à faire pour ces enfants ? Alors, le trouble du traitement auditif depuis l'arrêté du 14 novembre 2018 est reconnu. Dans l'article, vous voyez qu'il est décrit que pour les troubles centraux, le diagnostic est porté sur les résultats conjoints du test d'écoute dicotique des potentiels évoqués auditifs précoces et tardifs et l'audiométrie vocale dans le bruit. Alors, juste un petit mot d'explication. La limite chez l'enfant, comme vous le disiez Cyril tout à l'heure, sur l'audiométrie vocale dans le bruit qui n'est pas normée chez l'enfant en fonction de l'âge, donc qui est difficile à interpréter. Les potentiels évoqués auditifs précoces sont à réaliser pour éliminer une neuropathie auditive. Et la grande différence entre la neuropathie auditive et le trouble du traitement auditif, c'est que les PEA précoces sont toujours pathologiques dans la neuropathie auditive et toujours normaux dans le trouble du traitement auditif. Donc ça permet vraiment de faire la part des choses. Enfin, pour ce qui est des potentiels évoqués auditifs tardifs, donc corticaux, il n'y a pas aujourd'hui de normes ou de critères objectifs pour poser ce diagnostic. C'est bien la
la grande difficulté du diagnostic du trouble du traitement auditif qui ne repose que sur des évaluations subjectives et comportementales et qui dépendent de la participation de l'enfant. Donc, prudence, un sur le fait que ce sont, comme vous le disiez, Monsieur Couder, des enfants qui sont fatigables. Eh bien, il faut savoir faire nos évaluations de façon fragmentée. Et puis, méfions-nous aussi des simulations, effectivement, parce que certains enfants vont se signaler déjà sur l'audiométrie périphérique tonale vocale comme étant extrêmement gênés, alors que les automissions sont présentes, que les PEA sont normaux. Donc, après réassurance, on arrive à une audiométrie normale, mais comment va-t-on pouvoir interpréter le reste de notre bilan? Donc, je pense qu'il faut... Si on a des doutes sur la participation de l'enfant, il faut mieux revoir l'enfant et ne pas porter un diagnostic par excès que de coller une étiquette supplémentaire sur un enfant qui a en général, quand c'est dans ce cadre-là, souvent un parcours déjà un peu chaotique avec de nombreuses comorbidités diagnostiquées. Donc prudence. Aujourd'hui, nous n'avons pas de test objectif pour le diagnostic du TTA. Néanmoins, l'arrêté du 14 novembre 2018 ouvre la prise en charge à 100%. Donc un protocole de soins classique. J'ai tendance à rajouter trouble du traitement auditif entre parenthèses surdité centrale parce que les médecins de sécu ne connaissent pas encore bien le TTA et je remarque entre parenthèses arrêté du 14/11/2018. Grâce à cela, la prise en charge couvrira les frais audioprothétiques et de rééducation orthophonique. Alors maintenant, au niveau de Cyril Couder parlait tout à l'heure des systèmes HF qui ne sont pas pris en charge au niveau de la sécurité sociale. Est-ce qu'il y a des aides particulières, des démarches particulières pour aider les parents? Exactement. Pour obtenir un financement de micro-HF, il faut faire une demande de financement auprès de la MDPH. En fonction des difficultés de l'enfant, on demandera aussi un tiers-temps supplémentaire, des aménagements pour le passage des épreuves en langue étrangère. On s'adapte. Un peu comme un enfant sourd, en fait. Exactement, exactement. D'accord, merci. Avant d'aborder des études de cas, je vais vous poser une dernière petite question, un dernier petit sondage. Alors, je vais le lancer tout de suite. Chez un patient suspect de TTA, après avoir vérifié la normalité de l'audition, quel bilan préconisez-vous? Donc, je vous lance le sondage. Voilà, c'est parti. Donc, réponse numéro 1, c'est IRM plus psychologue. Réponse numéro 2, c'est PEA plus IRM. Réponse numéro 3, c'est psychologue plus orthophoniste. Réponse numéro 4, EEG plus orthophoniste. Allez-y, je vous laisse répondre. La course est partie. Donc, le psychologue, l'orthophoniste, le médecin ORL. Voilà, les réponses commencent à se stabiliser. Encore quelques secondes. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais clore le sondage. Voilà, donc au niveau des réponses, deux réponses qui émergent vraiment, c'est PEA plus IRM et psychologue plus orthophoniste. Et je vais laisser le docteur... Kerlingen et Théodora de la Boulardière répondre à ces questions. Alors, je vais peut-être commencer, Théodora, parce que en pratique de ville, donc je suis ORL installée en ville, en pratique de ville, les enfants vont venir pour des troubles du comportement plus que pour un trouble de la compréhension. Donc, effectivement, après avoir fait un bilan audiométrique tonal et vocal, qui en général est normal, la première chose, à mon avis, à envisager, et c'est d'orienter l'enfant, en tout cas c'est ma pratique, vers un psychologue ou un pédopsychiatre en fonction de ce que je retrouve. Et suivant le retour que j'ai du bilan du psychologue, effectivement, un bilan orthophonique est de mise. Et ensuite, on s'adresse au milieu hospitalier pour parfaire le bilan. J'ai une activité pédiatrique assez importante et dans mon activité, j'ai en tête un seul cas
où ce qui m'est venu à l'esprit, c'était une simulation. Parce que c'est une jeune fille de CM2 qui n'était mauvaise qu'en orthographe à l'école. Et je lui ai fait test auditif sur test auditif, tonal, vocal, tout à fait normal. J'ai fini par en parler à Isabelle et on a détecté chez cet enfant un trouble du traitement auditif. Parce qu'effectivement, à l'école, dans le bruit, elle n'était incapable de faire une dictée correctement. Alors même qu'à la maison, au calme avec sa maman, les dictées étaient correctement faites. Voilà, donc ça c'est un exemple qui, à mon avis, est marquant. Et tout ça pour vous dire qu'il faut penser avant tout à évaluer l'état psychologique de l'enfant, parce qu'on a quand même beaucoup de troubles du comportement aujourd'hui, encore plus même avec le confinement et l'impact des écrans à la maison. Donc voilà, Théodora, je te laisse la parole. On t'entend pas. Excusez-moi. Le bilan orthophonique, du coup, effectué en libéral, dans le cadre libéral, permettra de dépister un éventuel trouble du langage écrit, un retard de langage. Enfin, voilà, s'intéressera au langage oral et écrit. Et en fonction de ce bilan-là, on pourra ensuite envoyer l'enfant dans une équipe spécialisée, faire un bilan plus spécifique tel que vous l'a présenté Isabelle Rouillon, qui, du coup, en tant qu'orthophoniste à l'hôpital, je me sers évidemment des bilans qui ont été réalisés en libéral, puisque ça nous permet d'avoir des éléments beaucoup plus précis concernant le type d'erreur à l'oral et à l'écrit. Nous, on va s'intéresser à des éléments vraiment perceptifs, d'écoute dans le bruit, etc., comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Du coup, ce bilan en libéral est important pour nous pour faire le diagnostic ensuite. Merci. J'ai une petite question. Pour le dossier MDPH, seul le certificat médical doit être rempli. Le volet 1 de l'MDPH n'est pas adapté au TTA. Oui, tout à fait. Alors, sur le certificat médical, d'abord, je ne joins pas d'audiogramme parce que j'ai peur que l'audition normale ne les trouble. Et donc, je marque, quand il y a marqué degré de la perte auditive, oreille droite, oreille gauche, je fais une parenthèse et je marque surdité centrale. J'ai pas eu de refus en le remplissant comme ça. C'est pas très adapté, mais je triche un peu en parlant de surdité centrale et en ne mettant surtout pas de preuve de l'audiométrie normale. Théodora, quand on t'adresse un enfant avec une suspicion de TTA, est-ce qu'il y a sur notre ordonnance quelque chose de spécifique à noter ou pas forcément ? Non, pas forcément. C'est comme pour tout bilan orthophonique, c'est bilan orthophonique plus rééducation si nécessaire. D'accord. Voilà. Ça reste standard. Voilà, exactement. Merci. Donc, on va passer au premier cas et je vais laisser la parole à Cyril Coudert. Alors, moi, je vais vous parler de Cassandra, qui est une petite fille qui avait été suivie auparavant à Necker. Une enfant qui est scolarisée en CE2 avec un rapport de difficultés scolaires, de problèmes de comportement aussi bien à l'école qu'à la maison, de problèmes de socialisation avec ses amis et très classiquement une gêne dans le bruit, une intolérance au son fort. La caractéristique de Cassandra, c'était une des premières que j'ai pris en charge, c'est que dans les premières audiométries qu'on avait aussi bien à l'hôpital qu'ici, on avait l'apparition d'une surdité moyenne derrière et en fait je l'ai vu la première fois avant qu'on ait eu les potentiels évoqués auditifs et le bilan TTA. Donc, sur le début, on était parti pour un appareillage plus classique, mais avec quand même beaucoup de doutes, à la fois sur la fiabilité de cette audiométrie et sur une vocale que vous pouvez voir en bas, avec des seuils qui n'atteignaient jamais 100%, des listes vocales où systématiquement, c'était les premiers mots qui n'étaient pas compris, des choses qu'on associe plus, nous, souvent à des simulations. Donc, on a attendu un petit peu les bilans. Et néanmoins, avec une très forte demande des parents, j'ai prêté des appareils à Cassandra avec un gain très modéré, très en dessous de ce que j'étais censé donner sur cette surdité moyenne, des embouts conventionnels avec une aération conventionnelle. Et puis, j'ai laissé partir Cassandra avec ça. Le retour de l'hôpital est revenu donc avec des PEA précoces strictement normaux derrière, donc
avant, on n'avait pas encore, je crois, Isabelle, le diagnostic de TTA au moment où on a revu Cassandra. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est d'appeler la maman en disant, bah voilà, écoutez, on a, avec beaucoup de pincettes, voilà, c'est une bonne nouvelle, on a la preuve que Cassandra a une audition qui est meilleure que ce qu'on pensait, donc je pense qu'on va pouvoir enlever les appareils. Et là, j'ai pris la mère en panique au téléphone en disant, vous ne pouvez pas me faire ça. Depuis 10 jours qu'elle a les appareils, tout va mieux, ça va mieux à l'école, ça va mieux à la maison. Bref, je me sentais l'âme d'un marabout, si vous voulez, alors que je ne comprenais pas moi-même ce que j'avais fait. Le diagnostic de TTA est arrivé ensuite avec un protocole d'appareillage plus adapté et avec un micro déporté. Diapositive suivante, Vincent, s'il te plaît. Donc, l'appareillage en dôme ouvert à cet âge-là était difficile, donc je suis resté sur ces embouts classiques en aérant juste un tout petit peu plus, mais très peu, parce qu'en fait, elle bénéficie de cette réduction de bruit. On s'est juste assuré en mesure in vivo de compenser, bien sûr, l'obturation. Vous voyez en bas que les vocales refaites sont des vocales beaucoup plus en accord avec son audition normale, mais je gardais comme idée donc de petit à petit de se diriger vers un appareillage en oreille ouverte et de désappareiller. Sur les premiers résultats, donc, on a un port continu de l'appareillage, une vraie amélioration du comportement des résultats scolaires, et on a commencé, là maintenant, à prendre en charge le micro déporté pour l'entrée en sixième, puisque maintenant, aujourd'hui, elle est en CM2. Les limites, eh bien, c'est qu'à ce jour, plusieurs fois, j'ai essayé de diminuer un petit peu son gain, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu son évent, et j'ai même fait ça sans prévenir Cassandra et sans prévenir les parents. Systématiquement, dans les 48 heures, la maman a rappelé en disant que Cassandra se sentait moins bien et qu'il y avait un problème avec les appareils. Et donc, la question que je me pose moi-même, c'est sur ce type de cas, à quelle vitesse est-ce qu'on doit probablement diminuer les gains et les entraîner vers le désappareillage? Je pense qu'en fait, il faut prévoir ça sur du beaucoup plus long terme et attendre l'adolescence où il y aura, et voir l'âge, la fin du lycée, où on aura probablement une diminution, je pense, des symptômes. Mais tout ça, ce cas pour vous montrer qu'il faut être extrêmement prudent à la fois sur les amplifications et que qu'on ne comprend pas forcément encore tout. En tout cas, moi, je ne comprends pas encore tout derrière. Donc, je travaille beaucoup, beaucoup en les revoyant souvent et en essayant d'adapter au discours à la fois des parents et de l'enfant. Ce qu'on voit dans notre expérience, c'est que la majorité des enfants vont aller mieux avec le temps. On sait que les voies auditives centrales, elles mettent des années à maturer. Quand on reprend les latences sur les PEA corticaux, les latences adultes surviennent à 14-15 ans. Donc, il y a vraiment une courbe d'apprentissage, d'écoute dans le bruit, d'écoute en conditions difficiles qui se fait avec le temps. Et la majorité de nos enfants, en fait, sont... diagnostiqué l'âge moyen est de 9 ans et en général après quelques années d'appareillage on arrive à les désappareiller, mais tout dépend quelle est la cause du TTA. Il y a, selon la British Society, il y a 3 grands groupes de TTA, les TTA développementaux qui sont les plus fréquents et qui vont s'arranger dans le temps, et donc il faut vraiment, et c'est les plus fréquents, donc il faut vraiment rassurer les parents quand on est dans ce cadre. Et les TTA qui sont séquellaires d'une pathologie neurologique autre, et ça c'est plutôt chez le plus grand, voire chez l'adulte. Et enfin, il y a ce qu'on appelle un autre groupe de TTA qui est séquellaire ça avait été décrit par Monsieur de Manez, d'une grande prématurité, d'une otite séromuqueuse chronique persistante, qui là aussi vont aller mieux dans le temps. Voilà les 3 grands groupes de TTA. Ce qu'il faut retenir quand même pour les parents, c'est que globalement, en l'absence d'anomalie neurologique, c'est quand même une pathologie qui va mieux grâce à l'appareillage, grâce à la maturation et le fait que l'enfant va grandir, et grâce aussi aux expériences auditives et à la rééducation orthophonique. Une question à Théodora, combien de temps la rééducation orthophonique, combien de séances? Alors, en termes de séances, c'est compliqué, ça dépend de chaque enfant. Et puis, comme on l'a dit, ce sont des enfants qui ont quand même des comorbidités. Mais c'est une rééducation qui n'est pas vouée à perdurer très longtemps dans le temps. La question, elle est simple. Les parents nous demandent sur ce que ça va prendre comme temps, comme investissement, et nous, on doit pouvoir répondre un tout petit peu. on va dire que dans un premier temps, on vise une année scolaire et puis on réévalue à la fin.
D'accord. J'ai une autre question sur le chat. En l'absence de diagnostic et de prise en charge chez l'enfant, comment évoluent les symptômes chez l'adulte ? Alors, la majorité d'entre eux, comme je vous le disais, même spontanément, vont aller mieux. À tel point qu'au Canada, ils ne posent pas un diagnostic sur le premier bilan. Ils évoquent, ils émettent l'hypothèse d'un TTA, ils refont un bilan un an après, et ce n'est que si les symptômes perdurent. Qui font donc la part des choses entre un problème de maturation et une réelle pathologie qu'ils apparaissent l'enfant. Donc normalement, chez l'adulte, il ne doit plus rester grand-chose. Mais pour autant, il y a beaucoup de parents qui, quand la mère, par exemple, accompagne son enfant, ils disent d'ailleurs, je trouve que mon mari ou moi-même, je suis gênée dans le bruit, je ne suis pas... certains vont garder une audibilité moins performante que d'autres, probablement. Merci. On va passer au cas suivant. Je vais laisser la parole à Théodora de Borguer pour le présenter. Alors, je vais vous parler de Valentin, qui a 8 ans, qui est venu donc à l'hôpital Necker. La plainte, c'était... les parents sont arrivés inquiets et on décrit leur enfant comme n'entendant pas bien depuis toujours. Sauf que les audiométries étaient normales. Donc Valentin est venu à la demande de la maman. Il est en CE2 dans une classe à double niveau. C'est un élément important à avoir en tête. Donc un environnement scolaire particulier avec deux classes de CE2, CM1. La plainte concerne une gêne dans le bruit. Il a des très grandes difficultés et il a également des très grandes difficultés de concentration. Par ailleurs, il est suivi en orthophonie depuis la fin de la grande section, à raison d'une séance hebdomadaire. Le bilan orthophonique permet d'évoquer des difficultés de langage écrit, sans pour autant conclure à un trouble du langage écrit, donc une dyslexie. Dans le bilan, on relève notamment des confusions de sons. Alors, lors du bilan à l'hôpital, le bilan ORL a bien montré qu'il n'y avait pas de déficience de type périphérique, pas de neuropathie auditive également. En orthophonie, dans les différents tests qui ont été faits, on obtient 60% avec un rapport signal sur bruit à 0 décibel pour l'audition dans le bruit. Pour les dichotiques, il a un score de 14 qu'il situe à moins 3 écarts types. On se rappelle qu'on a donné comme règle que pour poser un diagnostic, il fallait au moins moins 3 écarts types à une épreuve ou moins 2 écarts types à 2 épreuves. L'épreuve des patterns est complètement chutée, il ne parvient pas à répondre. Il a donc moins 4 écarts types. Le RAP10 et le RGDT n'ont pas été réalisés à ce moment-là. Également pour la psychométrie, on n'avait pas de données. C'était notre premier patient. C'était le premier, voilà, exactement. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que le RAP10 et le RGDT, on ne les avait pas encore passés. Et du coup, le diagnostic de TTA a pu être posé. À la suite duquel il manque... Oui, pardon, c'est bon. À la suite duquel, du coup, on a pu faire des préconisations, pardon, on peut passer. Un dossier MDPH a pu être constitué, un appareillage prescrit avec un micro-HF, la mise en place d'une intervention orthophonique adaptée donc en ville avec l'orthophoniste de l'hôpital qui appelle l'orthophoniste en libéral pour un peu la guider, tout en la rassurant sur la teneur de cette prise en charge hein, qui en soi, même si elle est spécifique, tout orthophoniste peut la faire. Hein, il ne faut pas forcément s'adresser à une orthophoniste dite spécialisée puisque tout orthophoniste peut faire ce genre de rééducation. Des conseils à la famille, les conseils qu'on a déjà vus, hein, le tour de parole... Et la réduction du bruit. Et puis, les conseils pour l'école avec, concernant Valentin, un passage en classe avec un simple niveau
puisque à ce moment-là, le micro-HF est possible, parce que sinon, avec un double niveau, l'institutrice allant d'un groupe à l'autre, le micro-HF n'est pas conseillé, n'est pas possible. Il se trouve que donc Valentin est venu un an plus tard. Il a pu bénéficier d'une prise en charge orthophonique avec un changement d'orthophoniste, mais la rééducation s'est poursuivie une fois par semaine. On note que les difficultés en langage écrit et les confusions de sons sont toujours présentes. Il a par ailleurs des bons résultats scolaires. Depuis janvier, donc il portait des appareils ouverts et un micro HF en classe. Il était en phase test avec son audioprothésiste au moment du bilan. Il y a l'aspect esthétique. C'est vrai que c'est pas évident de faire porter des appareils à ces enfants à qui on dit que leurs oreilles entendent bien. Il était gêné de porter des appareils vis-à-vis de ses copains. Et en même temps, lui-même et sa famille constatent une bien meilleure perception avec les appareils. Et il les porte donc quotidiennement. Je voulais juste ajouter un petit mot sur Valentin. Ce qui nous avait troublé avec cette famille, c'est que la maman, elle est venue à 3 reprises avant. Quand l'enfant avait 8-9 mois, c'était le 3e de la fratrie, en disant à une de mes collègues, écoutez, à l'époque, il n'y avait pas de dépistage. Elle était très inquiète sur son niveau auditif, en disant, il n'entend pas comme les frères et sœurs. Donc, ma collègue a fait un ROC qui était tout à fait rassurant, des PEA qui étaient normaux. Et elle est revenue vers l'âge de 2-3 ans en disant, il n'entend toujours pas bien comme ses frères et sœurs. À nouveau, audiométrie et tout était rassurant. Et elle est revenue vers l'âge donc de 7-8 ans en disant, bon, ok, il entend bien, mais pas comme les autres. Et surtout, il ne comprend pas bien. Voilà, c'est parfois un des signes que nous rapportent les parents. C'est que, surtout quand ils ont la chance d'avoir plusieurs enfants. Ils nous disent fréquemment voilà que l'enfant n'entend pas ou ne comprend pas comme les autres. Oui. On peut enchaîner avec. Au cas suivant, Jules. Voilà, Jules. Donc, Jules, qui a 11 ans, qui est en CM2, qui est également lui aussi décrit par ses parents comme un enfant qui n'entend pas bien. Les parents disent qu'il n'entend pas bien, mais effectivement, il ne comprend pas bien. Ce sont souvent des enfants qui décrochent rapidement. Ses parents doivent beaucoup lui répéter les consignes. Il est gêné pour percevoir dans le bruit. Il a peu d'amis. Ça a un impact sur sa vie sociale. Il a eu un suivi ORL depuis la naissance. Il a notamment eu de nombreuses otites séromuqueuses. Il a un audiogramme normal. Il a par ailleurs une dyslexie des orthographies qui a été objectivée et il est adressé par son ORL. Le bilan de Jules révèle il a une audiométrie normale tonale vocale, il n'a pas non plus de neuropathie auditive. Concernant le bilan en orthophonie, il a pas forcément de difficultés dans le bruit. On a un 90% avec un rapport signal sur bruit de 5 décibels et 80% à 0 décibels. En revanche, les dicotiques sont extrêmement chutées, avec à moins 4 écart type. Pareil pour les patterns de fréquence, qui sont souvent d'ailleurs plus chutés que les patterns de durée. Il obtient moins de 2,5 écart type. La perception catégorielle est également chutée et le RGTT n'avait pas été réalisé à ce moment-là. Au niveau de la psychométrie, on observe qu'avec la batterie de la Teach, que l'attention auditive est en décalage, mais qu'en revanche, l'attention visuelle est bonne. Et c'est généralement ce qu'on observe chez ces cas typiques d'enfants TTA, avec une attention auditive en décalage. Et il y a également, je précise juste, une double tâche visuelle et auditive, et l'enfant a des meilleurs résultats puisqu'il sait du visuel. La WISC est dans la norme, et du coup, le diagnostic de TTA a pu être posé. Quelles sont les préconisations à la fin de ce bilan? La réalisation du dossier MDPH, notamment, et un dossier pour le financement du micro-HF, une prescription pour l'appareillage et le micro-HF, la mise en place d'une intervention orthophonique adaptée,
les conseils à la famille et pour l'école. Je pense que pour l'école, j'ai pas assez parlé de la lecture, l'importance de la lecture labiale, puisqu'on va vraiment guider l'enfant à regarder plus les lèvres, qui c'est un support visuel qui est bien utile pour ses enfants. Et du coup, c'est vrai que le masque transparent peut être préconisé pour l'école actuellement. Une petite question à Isabelle par rapport à l'impact de l'otite séreuse sur les TTA. Quand est-ce qu'on doit poser des yo-yo sur une audition subnormale? Alors, Monsieur Desmenez avait suivi des cohortes d'enfants avec otite séreuse et des cohortes d'enfants prématurés, et il avait remarqué que l'incidence du trouble du traitement auditif était plus importante quand chez les enfants qui avaient un antécédent d'otite séreuse prolongée. Probablement que la perte prolongée chronique d'otite séreuse a été responsable d'une moins bonne stimulation peut-être au niveau des voies auditives centrales et peut-être à majorer ce défaut de maturation. Nous, quand on arrive, quand l'enfant a 7-8 ans, il y a le plus souvent plus d'otite séreuse. Oui, c'est pour ça, mais c'est en amont. Est-ce que nous, nos enfants avec un déficit pas très important à l'audiogramme... Si c'est une difficulté, je pense que se débarrasser d'otite séreuse me semble être une bonne solution déjà. D'accord, parce qu'on a tendance quand même à poser des indications d'aérateur sur un retentissement important d'une otite séreuse. Ouais. Mais si jamais il y a un retentissement scolaire important et une gêne importante alors que l'audiométrie est pas trop perturbée, dans ces cas-là, j'ai tendance à mettre des yo-yo et à... Ouais. D'accord, ok, merci. Je serais peut-être un peu plus agressive sur la pose des aérateurs. D'accord, merci. J'ai une petite question à vous poser, parce que là, on est devant des enfants où on a une audition tonale, une audition vocale dans le calme, sans souci particulier. Et on porte l'attention, justement, on fait un bilan et puis une exploration pour essayer de trouver pourquoi. Maintenant, imaginons le cas où on dépiste une déficience auditive et quel est le rapport qu'on pourrait avoir dans l'évolution entre déficience auditive et TTA. Parce que là, on mettrait l'accent sur la prise en charge de la déficience auditive et je pense que peut-être une attention moins soutenue sur éventuellement un cas de TTA. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Je vous dirais que j'apporterai deux réponses. La première, on a parfois des enfants qui nous sont adressés pour suspicion de TTA et on voit une perte auditive légère ou asymétrique. Et on est extrêmement gêné pour poursuivre la suite de notre bilan. Vous avez déjà vu que le diagnostic de TTA est pas simple, mais si on a une perte auditive asymétrique, ça va retentir sur nos dicotiques, donc notre bilan va être ininterprétable. Si on a une surdité légère à moyenne, on peut imaginer proposer notre bilan orthophonique à un niveau de stimulation plus élevé pour corriger la perte auditive périphérique. Mais encore une fois, on va être très gêné pour interpréter nos tests. Donc aujourd'hui, on ne réserve notre bilan qu'aux enfants qui ont une audition normale. Mais évidemment qu'ils peuvent cumuler, on peut tout à fait imaginer qu'ils cumulent une surdité de perception, une surdité de transmission et un trouble du traitement auditif. Par ailleurs, les recherches sur les hidden hearing loss, les synaptopathies ou les surdités cachées, ces désafférentations post-synaptiques qui se traduisent par une gêne dans le bruit et une gêne sur les très hautes fréquences, on peut imaginer aussi que ces enfants qui ont un trouble du traitement auditif, dont on évalue mal la gêne dans le bruit, et dont on n'évalue pas les très hautes fréquences, parce que là aussi nous n'avons pas de normes pour évaluer les très hautes fréquences, et bien peut-être qu'il y a une partie de ces TTA qui sont en fait des hidden hearing loss, et que c'est aussi pour ça qu'ils tolèrent aussi bien et qu'ils sont tellement améliorés par l'appareillage auditif. Je crois qu'on en sait encore vraiment très peu sur le TTA et qu'on a besoin de plus décortiquer par des outils électrophysiologiques et par des outils audiométriques plus performants la clinique de ces enfants. Je me permets juste de rajouter que d'un point de vue orthophonique, si l'enfant est suivi en si un enfant qui a une surdité périphérique est suivi en orthophonie, et que par ailleurs on suspecte un TTA sans pouvoir se positionner là-dessus, puisque on l'a dit, on peut pas continuer notre bilan.
Je pense quand même que tout ce qui est fait en orthophonie, le travail de l'attention auditive, d'audition dans le bruit, contribuera à améliorer les performances d'écoute. Et du coup, ça parentera quand même à une prise en charge spécifique du TTA. D'accord. Alors, il y a une question aussi sur le chat, c'est que propose comme bilan étiologique chez l'enfant ? Alors, le bilan étiologique, eh bien, on recherche donc les antécédents. Aujourd'hui, on propose une consultation génétique. On n'a pas de gènes authentifiés, mais on les cherche. Et puis, toujours une imagerie cérébrale, bien sûr. D'accord. Et puis après, le bilan des autres comorbidités qu'on aura retrouvées. C'est-à-dire que si on objective d'autres difficultés, on référera un pédopsychiatre et puis tout en sachant que parfois on ne peut pas conclure. Et on revoit l'enfant un an plus tard en ayant demandé une autre évaluation un petit peu plus poussée chez un pédopsychiatre ou un neuropédiatre. Ok, merci. Cyril, est-ce qu'en 5 minutes on peut faire le dernier cas ? Oh oui, on peut même le faire en 2-3 minutes, je pense, derrière. C'est qui c'est ? C'est Manon, je crois, oui. Oui, je démarre le chrono de Manon, là. Vas-y. Manon, c'était pour vous parler d'une grande, justement. Et puis, je voyais, on avait quelques remarques dans le chat sur, justement, des participants qui référaient des cas de grands adolescents avec des vraies difficultés dans le bruit. Manon, c'est ça. Manon a 17 ans, sans aucune difficulté scolaire particulière. Elle est en terminale maths physique, mais elle rapporte des gros problèmes de concentration depuis le collège, une vraie fatigue que les parents notent, avec un énervement au bruit, beaucoup de conflits. Elle dit qu'elle a une classe très bruyante et par contre, elle vient avec une vraie bonne acceptation de l'appareillage à condition de garder une esthétique, bien sûr. Sur les bilans, elle a des seuils, bien sûr, normaux. Des UCL à la limite de l'hyperacousie sur les hautes fréquences et avec un seuil de confort assez haut derrière. Donc, mais pour autant, pour moi, encore une fois, ça n'est pas une hyperacousie, hein, même sur ces UCL qui ont l'air un petit peu élevés. Et ils n'ont pas le discours d'hyperacousique. Quand on leur parle un petit peu fort pour tester de temps en temps, ils n'ont pas de réaction de rejet. C'est vraiment une peur du bruit ambiant. Et encore une fois, je pense que ce sont des choses qui s'améliorent après appareillage, voire dans le temps, simplement. Un test qui est intéressant, c'est la première, comme elle était grande, elle, je lui ai fait une vocale dans le bruit immédiat, en Framatrix, et on n'a jamais plus pu le compléter, même avec un temps de repos au milieu, parce que les échecs la mettaient dans un état d'énervement, qui du coup coupait la concentration pour les 2-3 phrases suivantes, et on a préféré arrêter le test, et en attendant peut-être une prise de confiance un petit peu plus importante pour refaire ça. Donc, on a appareillé Manon avec des petits écouteurs déportés en bilatéral et cette fois-ci en dôme ouvert pour diminuer l'impact physique, une amplification très légère en zone conversationnelle. Elle a eu une réaction assez forte sur cette micro-amplification les deux premiers jours. On l'aide avec des séances de téléréglage assez régulières puisqu'elle est grande, elle a son iPhone et j'ajuste un petit peu les gains avec elle. Ça la met en confiance, elle a l'impression de participer à son appareillage. Pour autant, pour être tout à fait honnête avec vous, je modifie très peu de choses sur ces séances de téléréglage, mais ça la relance un petit peu dans son appareillage, ça relance sa motivation. Et à J15, on était avec un port de 10 heures par jour. On lui a prêté un micro déporté qu'elle a donné spontanément à tous ses professeurs et ça fonctionne bien. Elle utilise le micro à J30 pendant la majorité des cours et on a refait des vocales dans le bruit cette fois-ci. On a pu faire même plusieurs séances de vocales dans le bruit en une heure. Alors, on a une amélioration légère avec les appareils seuls, mais qui n'est pas significative. C'est-à-dire que, je suis désolé, la phrase est un petit peu cachée. On est à 0,5-0,8 décibels d'amélioration du rapport signal-bruit, ce qui n'est pas significatif. Par contre, naturellement, on a refait une vocale dans le bruit avec l'utilisation du micro déporté pour tester. Hein, ce ne sont pas des tests normés. Et là, bien sûr, on a une amélioration considérable du rapport signal-bruit, ce qu'elle réfère tout à fait en classe. Là, je l'ai eu encore en téléréglage il y a quelques jours parce qu'elle est en plein parcours sub, donc avec des entretiens, etc. Et pareil, ça la rassure d'avoir ça. Mais elle ne quitte plus ses appareils et les parents sont les premiers à noter l'amélioration au niveau du comportement. Alors, à quel point est-ce que c'est l'amplification qui apporte une aide ? À quel point est-ce que c'est le fait qu'on se soit occupé du problème et qu'elle
quelle est cette aide, peut-être un petit peu psychologique aussi, voire peut-être un tout petit peu placebo, il faut peut-être se poser la question aussi, je ne sais pas, et je ne sais pas faire la différence, mais en tout cas, le résultat est là, elle se sent mieux, et globalement, c'est un petit peu ce qu'on va chercher. Cyril, Manon a 17 ans, est-ce qu'on pourrait envisager des questionnaires de qualité de vie? Oui, c'est une question que j'aimerais poser, c'est que je pense qu'il faudrait tous les mettre en questionnaire de qualité de vie. La question, c'est effectivement âge dépendant et normes dépendant. Mais oui, je pense que ce serait intéressant, oui, bien sûr. Merci. Je vais laisser la conclusion au docteur Rouillon. Alors, tout d'abord, un petit mot pour vous dire qu'il faut penser à repérer ses enfants et rester à l'écoute de cette quand une famille vient vous voir en disant mais voilà notre enfant est gêné dans le bruit, non, on a l'impression qu'il n'entend pas comme les autres, et si l'audiométrie tonale vocale est normale, c'est bien de les rassurer dans un premier temps. Si la gêne et la plainte persistent, il faut peut-être garder à l'esprit qu'il peut s'agir d'autre chose. Se souvenir aussi que le diagnostic est difficile, il est posé sur un faisceau d'arguments et qu'aujourd'hui on n'a pas d'outils objectifs, que dans la majorité des cas, dans plus de 60%, ces enfants ont d'autres difficultés associées, d'où l'intérêt de les évaluer avec un bilan multidisciplinaire. Et puis, de toute façon, cette prise en charge, qu'elle soit orthophonique, audioprothétique, et puis le petit bilan étiologique qu'on fait, eh bien, en tout cas, le plus souvent bénéfique pour ces enfants. On peut faire l'appareillage auditif sous forme d'essai, et c'est de toute façon vertueux d'essayer d'améliorer les conditions d'écoute en classe, à la maison, le tour de rôle couper la musique ou la télévision pour dîner, voilà, c'est des aménagements qui de toute façon aideront quant à la fatigabilité de l'enfant ou pour un enfant qui a des difficultés de concentration aussi. Et puis, ce trouble est maintenant pris en charge à 100% par la Sécurité sociale, avec l'arrêté qu'il faut bien notifier sur les demandes de 100%. Je vous remercie. Dernière question avant que l'on termine cette session. Avez-vous des causes centrales identifiées chez l'enfant sur IRM? Oui, anomalie du corps calleux principalement. Et puis parfois on voit des zones d'hypoperfusion sur le trajet des voies auditives centrales. On en a, c'est dans l'immense majorité l'IRM est normal, mais on a eu plusieurs cas comme ça d'anomalies du corps calleux retrouvées à l'IRM et un cas d'hypoperfusion sur les voies auditives centrales. Parfait, merci beaucoup. Alors, merci. On va malheureusement merci à tous. Arrêter cette session. Un grand merci à nos orateurs, oratrices pour la qualité de leur intervention. Et je vous invite à nous retrouver le 8 juillet pour notre prochain webinaire. Bonne soirée à tous et merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci.